Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama thaïlandais Beauty Nubi qui est le remake du drama coréen My Idea is Kongnam Beauty qui est lui-même adapté du webtoon du même nom. Du coup c'est un drama de 14 épisodes et qui date de 2024, si jamais le drama je crois qu'il est disponible sur Youtube mais je ne veux pas dire de bêtises, euh, il est aussi sur Drama Cool en anglais et après faudrait voir s'il serait pas sur Voir Drama pour le français, il n'est pas en Vostefer sur une plateforme officielle, en tout cas au moment où j'enregistre. Bon c'était un drama que j'attendais pas mal personnellement, Beauty Nubie, tout simplement parce que bah à l'époque moi j'avais plutôt apprécié My is Congnome Beauty, même si je sais que c'est un drama qui est pas mal euh, <laughs> clashé de temps en temps. Pas autant que Love Alarm bien évidemment mais beaucoup le clash. Et c'est vrai que moi je l'avais regardé durant sa sortie et à l'époque je l'avais beaucoup apprécié. Bon, c'était une autre époque, peut-être que c'est pour ça. Et du coup, bah, c'était un remake, Beauty Newbie, que moi, personnellement, j'attendais beaucoup. Déjà pour ça, et puis aussi parce que bah, c'est un peu le retour de Win. Euh, c'est un nouveau drama avec Win, Win est acteur principal. Et Win est enfin libéré, entre guillemets, de son ancien pairing Bright-Win, donc ça fait plaisir. J'avais beaucoup aimé déjà Enigma en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Et d'ailleurs sur l'épisode que j'ai fait sur Enigma, j'avais dit justement j'ai hâte que Beauty nébiss sorte pour revoir Win parce que Win c'est un acteur qui m'intéresse, c'est un acteur je pense qui peut faire des bonnes choses, mais il faut lui laisser l'occasion de progresser. Alors du coup bon, bah j'ai un peu commencé à vous donner le casting hein, mais du coup effectivement un acteur principal nous avons Win qui avait fait dans Fight euh, Win donc Together, je pense que c'était un... c'est peut-être ça qui a fait exploser un peu sa carrière, c'était un biel du coup. Ensuite, en actrice principale, nous avons l'actrice qui s'appelle Fern ou By Fern. C'est une actrice que j'ai déjà pas mal vue et que franchement j'apprécie et qui soit en passant, on va le dire, elle est magnifique. Cette femme est très belle. J'arrive pas à la resituer, mais je sais que je l'ai déjà vue. En tout cas, c'est une actrice vétérante quand même. C'est une actrice qui a fait beaucoup de drama et elle a fait pas mal de films aussi et elle a fait pas mal de programmes télévisés. Donc voilà, peut-être que vous la connaissez ou peut-être que vous allez la reconnaître. Ensuite, dans les acteurs secondaires, vous allez reconnaître énormément de gens. Des acteurs qui avaient joué dans des BL ou dans d'autres dramas. Et enfin, en troisième acteur principal, nous avons. Alors là, je vois qu'il s'appelle Sapol. Je crois que c'est son nom. Great Sapol. Alors lui, je ne le connaissais pas. En tout cas, je ne crois pas. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui. Spoiler alert. <laughs> je l'ai beaucoup aimé. Alors, il avait joué dans A Manor of Death. D'accord. Ok. Il avait joué dans Startup. Je crois que ça, c'est le remake du coup aussi coréen. Je ne l'ai pas vu. Je peux pas dire. Et il va jouer dans One Day Good Day. Oui, d'accord, c'est le biel qui a été annoncé par GMMG pour 2024. Et d'ailleurs, c'est un biel que j'attends beaucoup. Euh, je suis assez curieuse pour celui-là en espérant qu'il soit bon. Eh ben c'est drôle. Ok, 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 ok. Bon, ce sont nos trois acteurs du coup principaux. Alors, rapidement, du coup, de quoi parle Beauty Newbie pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire originale En fait, Beauty Nubi, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Liu. Au début du drama, Liu, elle est censée intégrer sa toute nouvelle université et on nous explique avant, durant sa jeunesse, donc avant l'université, au lycée et bien avant, Liu en fait, elle a souffert toute sa vie de discrimination, d'insultes, et de ce genre de choses vis-à-vis -vis de son apparence. Donc toute sa vie, elle a souffert en fait de ça, de, de ce complexe-là qu'elle a eu par rapport à son apparence. Et juste avant de commencer l'université, justement, elle s'est mise en tête de faire de la chirurgie esthétique pour devenir belle, entre guillemets. Et le drama va débuter justement avec le renouveau, la nouvelle vie de Liu après sa chirurgie esthétique. Sauf ce qui va se passer, c'est que les choses vont pas tout à fait se passer comme prévu, tout simplement parce que quand elle va intégrer sa nouvelle classe à l'université, elle va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Guy et qui était un de ses camarades de classe au lycée. Et là vous devez vous dire, oui, mais bon, elle a changé de visage donc ça devrait aller, tu vois, il devrait pas la reconnaître. Bah si en fait il va la reconnaître et c'est là où ça va poser problème. Tout va tourner autour de ça et de la vie de Liu justement dans cette université. On va avoir un autre personnage qui s'appelle Saint. Du coup, lui Saint, c'est euh, un pi pi. Du coup, euh, pour ceux qui les est les dramatâies, vous voyez ce que c'est. Pi, c'est un peu comme Sam Nim. Ben du coup, en coréen, c'est un élève de sa faculté, mais qui est plus vieux qu'elle. Voilà. Donc voilà, c'est une petite romance universitaire avec un petit triangle amoureux sur fond de messages assez intéressants sur tout ce qui est le beauty privilege, euh, tout ce qui est aussi la beauté, la question de la beauté et de la chirurgie esthétique. Et ça va aussi parler de parfum, parce que nos personnages sont dans une faculté de chimie. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce remake Si vous m'avez suivi sur TikTok. Vous devriez savoir que bah, j'ai été plutôt positive par rapport à Beauty Nubie. Je repose les bases. Personnellement, je n'ai pas revu ma Idea is Gangnam Beauty depuis sa sortie. Donc ça fait déjà très, très, très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais personnellement, franchement, Beauty Nubie, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. C'est pas non plus un de mes coups de cœur de tous les temps, on est bien d'accord. Mais pour moi, ça reste un bon remake. Tout comme aussi Sherry euh, Maddy a pour moi été un très bon remake. Et euh, j'ai été vraiment très surprise de voir les notes sur My Drama Les notes, elles aussi, entre 1 et 4 sur 10. Je comprends pas. Franchement, là, je... c'est rare que mon avis soit aussi drastique. Alors, je suis pas en train de dire que c'est le drama de l'année et qu'il faut lui donner un Oscar, on est bien d'accord. Mais je trouve qu'il est vachement sympa. Et je trouve que pour des personnes qui commencent un petit peu dans les dramas, je trouve que c'est un... un bon drama à regarder en fait. Ça peut être un drama hyper cool. Enfin, moi, si j'avais découvert, j'avais vu My Ideas of Beauty ou Beauty Nubi quand j'avais 15-16 ans, ça aurait été génial. Enfin, je sais pas. Personnellement, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Après, il y a des choses à redire. Le drama n'est pas parfait, mais tout n'est pas à jeter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé par rapport à ce drama bah Déjà pour moi, ça a été une bonne surprise. Pour moi, j'estime que Butinubis c'est un bon remake. Alors après, comme je vous dis, j'ai plus trop la version originale en tête, donc peut-être que c'est pas tout à fait juste ce que je dis. Mais en tout cas, dans mes souvenirs et par rapport aux souvenirs que j'ai de l'œuvre originale, bah pour moi, ça s'inscrit dans la continuité. Il n'y a pas vraiment de choses choquantes. J'en parlerai après. Il y a juste deux trois trucs que j'aimerais redire. Mais sinon, voilà. J'étais très contente de revoir Win. Euh, ça fait plaisir de le voir à l'écran, de le voir jouer enfin en seul, seul et de le voir prendre un peu son indépendance, si on peut dire ça comme ça. Je ne peux pas dire non plus que j'ai vu des nouvelles facettes de Win. Enfin, il ne m'a pas non plus extrêmement surprise dans son jeu d'acteur. Il peut faire mieux, je pense qu'on va pouvoir voir certaines choses dans le futur. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais j'ai quand même apprécié le voir jouer. J'ai quand même apprécié le voir aussi euh, ressentir des nouvelles émotions et jouer des nouvelles émotions que je ne l'avais pas vu jouer jusqu'à présent. Après, l'alchimie, elle n'est peut-être pas non plus euh, over the top. Je trouve par exemple que la, le personnage principal, Lio, a a plus d'alchimie avec Saint qu'avec Win. En revanche, j'ai beaucoup aimé les interactions entre Lio et, et Win. Du coup, le jeu d'acteur et les émotions qui étaient vraiment qui étaient présentes sur leur visage et la manière dont ils jouaient certaines émotions comme la tristesse, la trahison et ce genre de choses euh, aux premiers épisode. Et tous ces règlements de compte entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé euh, voir justement Win jouer ce genre d'émotions et jouer ce genre de personnage là Donc euh, ça m'a beaucoup surprise et j'ai trouvé que c'était des scènes assez prenantes. En tout cas, j'ai arrêté de respirer. En mode, ok, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Personnellement, petite mention spéciale pour le personnage secondaire, enfin le, le second lead du coup qui est Saint. J'ai beaucoup aimé cet acteur, j'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai bien aimé sa relation aussi avec le personnage féminin du coup, Liu. Je trouve que, on va dire que le script est moins prude parce que généralement, je pense que, je vais vous donner un exemple, ce que je reproche un peu parfois au drama quand il y a des triangles amoureux. Déjà, premièrement, on sache que le second lead n'a aucune chance, alors que là, je trouve qu'il y a un moment, tu vois, ils m'ont mis un doute, tu vois. Mais ce que je trouve encore plus dommage que ça, c'est que souvent en fait la fille dans l'histoire, elle est un peu réservée, intouchable, c'est-à-dire qu'elle doit, entre guillemets, se préserver pour le personnage principal, donc elle peut pas avoir trop de contact physique avec le personnage secondaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait inconcevable que le personnage féminin tienne la main ou, ou prenne dans ses bras euh, le personnage secondaire, ce serait quasiment inconcevable. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ici, je trouve qu'ils sont un peu moins prudes. Euh, c'est pas euh, « je t'aime » ou « je ne t'aime pas », c'est « bah n'ai pas de sentiment romantique envers toi » mais j'ai d'autres sentiments qui peuvent peut-être s'assimiler à de l'amour ou à de l'affection et c'est pas pour autant qu'on va faire mon crime et qu'on va, va me juger tu vois ce que je veux dire parce que parfois dans certains dramas je trouve qu'ils poussent trop le trait là-dessus du coup ce que j'ai oublié de noter aussi c'est que un drama spécial GMM TV et ce que j'ai envie de dire c'est décidément ces derniers temps même TV autant on leur tape sur les doigts très souvent pour plein de raisons différentes mais ces temps-ci franchement même TV ne fait que de me surprendre entre l'adaptation de Chérie Magic et ce drama là je suis plutôt agréablement surprise j'espère que même TV va continuer à nous faire des bons dramas j'ai bien aimé après les thèmes, c'est vrai, le beauty privilege, la chirurgie esthétique. Alors après, c'est vrai que ça, par contre, euh, je sais pas si vraiment la version taille l'a bien géré. Ce remake thaïlandais était un peu maladroit dans la manière dont ils l'ont géré. Tous les messages passent par Guy, en fait. C'est Guy qui va donner un petit peu les messages, la voix de la raison, vous voyez. Je pense que la version coréenne était plus habile dans sa manière de faire les choses euh, parce que parfois tu as des raisonnements dans, univers de, dans cet univers-là qui est Butin donc l'univers fictif le raisonnement des personnages parfois il est complètement déconnecté de la réalité quoi parfois il pousse sur des sur des choses enfin en mode oui bon c'est bon changer de disque en fait on a compris c'est peut-être trop tiré le trait c'est peut-être too much parfois et tu te dis bon vous, vous m'avez saoulé là avec cette histoire de chirurgie machin et tout vous êtes vous êtes saoulant tu vois alors que ça il me semble pas que dans la version courante c'était aussi présent ou pas de la même manière voilà, je trouve peut-être que c'était peut-être pas super bien géré sur ce côté-là, effectivement. Et pour les points négatifs, j'en ai un petit peu par rapport à ce que je disais avant, justement, qu'il manque un peu de maturité dans le script et dans les dialogues de certains personnages et dans les répliques de certains personnages. Je sais pas si je peux dire que c'est l'histoire qui veut ça, parce que je sais pas comment le webtoon a été fait. Je doute que le webtoon a été fait de cette manière-là et la version coréenne, non, a été pas faite de cette manière-là. Voilà, c'est peut-être vraiment le, le petit endroit où je pense que la Thaïlande, a, le, le remake, est un peu déconné, à mon sens. Je trouve aussi que la fin est trop idyllique. Vraiment, c'est le monde des bisounours. Euh, peu importe ce qui se passe, on pardonne tout. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui me dérange. Et euh, le côté un petit peu Marie-Sou, c'est la sainte. Voilà. On a sainte, le personnage secondaire, et puis on a la sainte. voilà. Elle est parfaite. Euh, voilà. ça, c est... Et ça, c'était présent aussi dans My Ideas Qu'on Ce côté-là était aussi présent. Mais là, j'avoue qu'on est en 2024. Euh, J'aimerais bien voir autre chose, en fait. C'est le personnage féminin trop parfait, adorable, doux, gentil. Je, cette femme m'a un peu dérangée, mais bon, en même temps, on s'y attendait. L'histoire est, est comme ça pour le coup, donc, donc voilà. Aussi, il y a un truc, par contre, j'ai constaté. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que dans ce remake-là, le personnage féminin met beaucoup trop de temps à voir le vrai visage de l'antagoniste. Il me semble, corrigez-moi, hein, mais il me semble que dans la version coréenne, le personnage principal se rencontre rend beaucoup plus tôt du vrai visage. Les masques tombent beaucoup plus tôt dans mes souvenirs. Je crois, hein, il me semble. Hein. Alors que là, c'est vraiment à la fin qu'elle se rend compte en fait de qui est qui et ce qu'a fait la personne depuis le début alors enfin voilà je trouve que c'était un peu ça ça tournait un peu en rond et on tirait trop sur cette intrigue là ce que je trouve un peu dommage il me semble pas qu'ils avaient autant tiré dans la version coréenne ça c'est quelque chose peut-être qui m'a un peu dérangé et du coup si je devais recommander Beauty Nubi à un ami ou une amie qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais ce drama alors moi je le recommande si votre genre c'est les dramas universitaires scolaire slash universitaire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est tellement rare, en fait, d'avoir des dramas euh, universitaires et non pas lycéens que parfois faut en profiter, tu vois, parce que moi je suis plus proche de la tranche universitaire que de la tranche lycée, donc ça fait plaisir aussi de voir des dramas qui se passent à l'uni, donc si vous aimez bien les dramas qui se passent à l'université, les romances un peu douces, édulcorées, avec des couleurs, euh, voilà, euh, c'est très, très pris des dramas coréens, hein, avec les triangles amoureux, ce genre de choses, avec des petites enquêtes, des petites intrigues, entre guillemets, des préoccupations universitaires en, en règle générale et puis toute la question aussi du beauty privilege et euh, de la chirurgie esthétique franchement je pense que vous allez apprécier si vous aimez bien les acteurs aussi je vous le recommande et voilà c'est une petite romance universitaire sympa j'ai vu vraiment beaucoup de haine par rapport à ce drama tout comme il y a beaucoup de, de haine envers la version coréenne donc c'est assez drôle finalement moi je suis pas nécessairement d'accord après euh, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu l'œuvre donc peut-être que je déconne complètement et je suis à côté mais en tout cas de mon ressenti moi j'ai passé un bon moment j'ai vraiment apprécié les épisodes je sais je dirais pas je les ai sifflés en une journée, mais j'ai dû me faire le drama en 2-3 jours et euh, j'ai passé un bon moment. Donc voilà. On va pas se mentir, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Mais je veux dire pour moi, ça reste une bonne production, c'est bien fait, c'est un bon remake. C'est qualitatif visuellement. Le jeu d'acteur est plutôt bon. Alors du coup, si je devais donner une note à Beauty Nubi, combien est-ce que je lui mettrais sur 20 Je lui mettrais 15,5 sur 20. Voilà. Les haters qui ont détesté ce drama, bah écoutez, euh... <laughs> tant pis, qu'est-ce que je peux dire euh, Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court sur le drama. Beauty Nubie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, vous l'avez aimé Vous l'avez pas aimé Dites-moi tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance Est-ce que vous avez vu la version originale ou même lu webtoon Il y aura une section commentaire si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Et puis si jamais vous voulez être au courant aussi de mes dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner, ça peut être utile. Comme ça vous recevrez une notification dès que je sors un nouvel épisode. Donc sur la plateforme où vous m'écoutez actuellement. Ça peut être Apple Podcast, Google Podcast ou d'autres plateformes. Et puis si jamais vous voulez me soutenir et m'aider, n'hésitez pas pareil à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye